Ça me fait bien plaisir d'être là pour vous. Je m'appelle Alexandre Sanctuaire, je suis pharmacien à l'UCPQ. Ce sera moi le modérateur, puis ça va nous faire un vaillant plaisir d'introduire le conférencier d'aujourd'hui, qui est Dr Alain Milot. Dr Milot n'a pas besoin d'une présentation très exhaustive. Souvent, Dr Milot est reconnu pour son expertise dans le sujet du jour, qui est l'hypertension. Donc, Dr Milot est spécialiste en médecine interne. Il travaille à l'hôpital de Saint-François d'Assise au CHU de Québec. Dr Milot a fait son diplôme en médecine à l'Université Laval après avoir complété une résidence en médecine interne. Et il a effectué un fellowship en pharmacologie clinique à l'Institut de recherche clinique de Montréal. Il détient aussi une maîtrise en pharmacologie de l'Université de Montréal et un certificat de spécialiste en hypertension de l'American Society of Hypertension. Il est également fellow de la Society for Vascular for Medicine. Dr Milot a fait plusieurs projets de recherche en hypertension. Il est également titulaire professeur titulaire à la faculté de l'Université Laval et directeur de programme de formation spécialisée complémentaire en médecine vasculaire. Donc, Dr Milot, je vous laisse la parole pour cette excellente présentation. Alors, merci beaucoup, M. Sanctuaire. Je remercie également la Société des sciences vasculaires là, qui m'a invité à donner cette présentation, qui est sur un sujet qui, évidemment, me passionne beaucoup. Alors, voici mes intérêts et mes conflits d'intérêts, en fait, conflits d'intérêts très potentiels, là. Qui n'affectera pas la présentation aujourd'hui. Mes intérêts, c'est plutôt d'avoir participé à tous les processus de guide de pratique clinique d'Hypertension Canada et d'avoir été responsable aussi des publications de la Société québécoise d'hypertension artérielle. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui comme objectif, c'est de diagnostiquer l'hypertension à l'aide des différents outils de mesure de la pression artérielle, d'établir un plan individualisé de prise en charge de l'adulte hypertendu en identifiant les personnes qui peuvent bénéficier d'une investigation complémentaire, mais surtout en déterminant les valeurs seuil de diagnostic et les valeurs seuil et les valeurs cibles de traitement, en faisant appel à trois consensus d'experts qui ont été publiés successivement aux États-Unis en 2017, au Canada en 2020 et en Europe en décembre 2023. Alors, historiquement, qui était l'hypertendu en 1945? Alors, est-ce que c'était Winston Churchill, obèse, qui prenait son brandy le matin au déjeuner, ou Franklin Delano Roosevelt au centre, qui était un homme élancé, mince, ou encore Staline, qui, lui, avait probablement une cirrhose hépatique. Alors, cette photographie-là a été prise à Yalta, et on a du médecin de Franco Delano Roosevelt l'enregistrement de ses pressions artérielles au fil des années, et on peut constater qu'au moment du débarquement en Normandie, sa pression artérielle était autour de 225 sur 125, et que lors de cette conférence de Yalta, où les trois dirigeants allaient se partager le monde à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, sa pression était quelque part aux alentours de 240 à 250 sur 140-150, et il devait décéder quelques mois plus tard avec une pression artérielle à 320 sur 190. Alors, évidemment, on peut se demander pourquoi on a laissé cette pression monter si haut. Alors, il y a une partie de la réponse, c'est qu'on n'avait pas vraiment les moyens à l'époque pour la baisser, mais l'autre partie de la réponse, c'est qu'on croyait que l'hypertension artérielle était essentielle. Alors, essentielle à la perfusion des organes. Et un cardiologue éminent de l'époque, Paul Dudley, écrivait dans son textbook sur les maladies cardiaques en 1937 que l'hypertension est peut-être un mécanisme compensatoire important qui ne devrait pas être altéré, même s'il était certain que nous pourrions la contrôler. Alors, Dr Dudley était un des membres fondateurs de l'American Heart Association. Évidemment que tout ça s'inscrivait dans un contexte où les données épidémiologiques n'étaient pas très nombreuses. Il y avait les assureurs au début du siècle qui avaient sonné l'alarme en disant « Nous, on a des données sur 700 000 personnes qui démontrent que plus la pression est élevée, plus on fait des événements cardiovasculaires.
mais ça devait prendre un autre 30 ans avant que les gens de Framingham publient dans leur premier rapport une relation entre la coronaropathie et la pression artérielle chez 98 participants. Tout ça a amené à deux études, en 67 et 70, où on s'est d'abord intéressé aux gens qui avaient des diastoliques très élevés, plus de 115 mm de mercure dans la première étude, et entre 90 et 114 dans la deuxième. Il a fallu un autre 20 ans avant qu'on décide qu'il fallait traiter les patients qui étaient âgés de 60 ans et plus, qui avaient une hypertension systolique isolée, donc une systole au-delà de 160. Et en 2002, on faisait la rétrospective de toutes les études publiées jusque-là sur 1 million de patients. Et ce que l'on démontrait dans ces études, c'est que non seulement il y avait une augmentation des AVC et de la maladie coronarienne avec l'élévation de la pression, mais cette augmentation-là était visible dans toutes les strates d'âge jusqu'aux 80 et 89 ans. Et qu'il y avait également une diminution des événements ou une absence d'augmentation des événements plus la pression artérielle systolique se rapprochait de 120. Alors, tout ça a conduit à deux études phares. En 2008, l'étude de HIVET chez les personnes de plus de 80 ans ayant une systole en haut de 160. Et en 2015, à l'étude SPRINT, qui est vraiment une étude qui a été charnière dans l'établissement de nos valeurs cibles, seuil et cible de traitement. Alors, en novembre 2015, les Américains publient l'étude de SPRINT. Alors, c'est une étude chez 9361 participants qui avaient une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 130, un risque cardiovasculaire élevé, défini comme étant supérieur à 15 % à 10 ans, mais qui n'avait pas d'antécédent de diabète ni d'AVC, puisqu'il y avait déjà deux études qui étaient en cours pour chacune de ces pathologies. Et on randomisait les gens selon la cible de pression artérielle que l'on désirait atteindre, donc moins de 120 dans le groupe intensif et moins de 140 dans le groupe standard. En moyenne, les participants au début de l'étude avaient une pression artérielle de 140 sur 78, et en cours d'étude, on a effectivement réussi à abaisser la pression artérielle dans le groupe de traitement intensif à 122 sur 68, alors qu'elle était de 135 sur 75 dans le groupe standard, pour une différence d'environ 13 mm sur la pression systolique et 7 mm sur la pression diastolique. Ces mesures de tension artérielle-là étaient effectuées avec un appareil de mesure de la pression artérielle en clinique, oscillométrique en série, sur lequel on reviendra tantôt. Les résultats étaient intéressants. Donc, on a noté une baisse de 25 % des événements sur une période de 4 ans, qui se traduisait par un nombre de patients à traiter quant à la diminution de l'issue primaire, qui était l'infarctus, le syndrome coronarien aigu, l'insuffisance cardiaque, l'AVC, la mortalité cardiovasculaire de 61 personnes et la mortalité de toute cause de 90 personnes. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Bien, évidemment, les experts se sont emparés des résultats de SPRINT en 2015 et dans les différents pays, il y a des consensus qui ont été publiés. Alors, le premier a été celui de l'American College of Cardiology et American Heart Association en 2017. Alors, le deuxième qui a suivi est le consensus de la Société européenne d'hypertension et de cardiologie, suivi en 2020 de notre dernier guide de pratique clinique que l'on a publié au Canada. Et en 2023, de nouveaux guides de pratique de la Société européenne d'hypertension qui vient tout juste d'être publié en décembre dernier. Alors, si on regarde qu'est-ce que les Américains ont déduit de l'étude de SPRINT, bien, ce qui frappe dans un premier temps, c'est qu'ils ont changé le seuil de diagnostic de l'hypertension en clinique. Alors, qui est l'hypertendu depuis 2017 aux États-Unis? Ben, c'est un individu qui a une tension artérielle entre 130 et 139. Et entre 80 et 90,
ce qu'ils ont défini comme étant le stade 1, et supérieur ou égal à 140, supérieur ou égal à 90 pour le stade 2. On n'a pas trop précisé comment mesurer cette pression artérielle-là dans le consensus américain, mais on a suggéré des équivalences approximatives entre ces mesures effectuées en clinique et les mesures effectuées à domicile, donc le home blood pressure monitoring, et les mesures effectuées lors de monitoring ambulatoire de la pression artérielle dans les catégories de jour, de nuit et de 24 heures. Et on a évidemment utilisé un système de gradation, que vous allez voir qu'il y a des variantes là, d'une société à l'autre sur la façon de déclarer les choses, mais les Américains utilisent, eux, des classes qui vont de 1 à 3, où dans la classe 1, tous les bénéfices sont importants, la classe 3, au contraire, les risques sont plus importants que les bénéfices. Et ils catégorisent également selon des niveaux d'évidence qui vont de A jusqu'à C, donc d'études randomisées, de méta-analyses de très bonne qualité, jusqu'à des opinions d'experts. Alors, ce qu'ils ont suggéré comme seuil de traitement chez les patients atteints de maladies cardiovasculaires avérées, donc cliniques, en prévention secondaire, de même que chez les adultes ayant un risque de maladie cardiovasculaire à 10 ans, qui était supérieur ou égal à 10 %, c'est un seuil pour l'instauration du traitement qui est supérieur ou égal à 130 sur 80. Vous remarquez que le niveau de preuve était plus élevé pour le seuil systolique que pour le seuil diastolique, où il y avait une opinion d'expert qui était exprimée. Et chez les adultes sans antécédent maladie cardiovasculaire, qui avaient un risque de maladie cardiovasculaire à 10 ans inférieur à 10 %, on a maintenu le seuil de pression artérielle systolique supérieur ou égal à 140 sur supérieur ou égal à 90, donc en prévention primaire. Pour ce qui est des cibles de traitement, ben à la fois chez les gens qui avaient une maladie cardiovasculaire, qui avaient un risque de maladie cardiovasculaire à 10 ans de plus de 10 %, mais chez ceux également qui n'avaient pas d'autres marqueurs additionnels de maladie cardiovasculaire, on a établi une cible de traitement qui était inférieure à 130 sur 80. On a calculé le risque de maladie cardiovasculaire à 10 ans à l'aide du calculateur ASCVD, donc Atherosclerotic Cardiovascular Disease, qui est un outil qui a été développé par American Heart et American College of Cardiology et qui tient compte, contrairement aux équations de Framingham avec lesquelles on est plus familière, de l'ethnicité, de la prise de statine et de la prise d'aspirine. Par contre, ce qu'on a souligné assez rapidement du côté canadien, lorsque l'on a regardé l'utilisation qui était faite de ce calculateur-là, c'est que dans l'étude SPRINT, c'était plutôt les équations de Framingham qui étaient utilisées, que le seuil de risque était plutôt de 10 % au lieu de 15 %, et que ce calculateur de risque-là avait tendance plutôt à surestimer les événements cardiovasculaires dans une plus grande mesure encore que le score de risque de Framingham. Et dans cet intervalle, le score pouvait aller jusqu'à surestimer le risque jusqu'à 486 % chez les hommes et 71 % chez les femmes. De plus, dans l'étude SPRINT, il n'y avait pas que des bénéfices, il y avait également des réactions indésirables. Alors, il y a eu des cas d'hypotension, de syncope, d'insuffisance rénale aiguë. Il y a eu également davantage de visites à l'urgence pour ces mêmes réactions indésirables. Et deux auteurs ont calculé, suite à la publication de l'étude SPRINT, qu'effectivement, la mise en œuvre des seuils et des cibles de SPRINT pourrait prévenir 100 000 décès par année aux États-Unis, mais à un coût de plus de 56 000 cas d'hypotension, 34 000 cas de syncope, 43 000 cas de troubles électrolytiques et 88 000 cas d'épisodes d'insuffisance rénale aiguë. Alors évidemment qu'au Canada, on a de notre côté regardé quel serait l'impact de SPRINT
Et ce que l'on doit constater, quand on regarde la population canadienne en 2017, qui était de 25 millions de Canadiens adultes, c'est qu'il y avait 1,3 million d'individus qui répondaient aux critères d'admissibilité de l'étude et que 20 % des 50 ans et plus pourraient bénéficier d'une intensification de traitement. C'était à l'époque 750 000 personnes et que 15 % des adultes éligibles, donc à peu près 182 000 personnes, n'étaient pas considérés à ce moment-là comme étant hypertendus ou nécessitant un traitement. Alors, lorsque le premier consensus canadien a eu lieu en 2018, bien évidemment qu'on s'est posé la question, oui, abaisser les cibles de pression artérielle, mais quel patient, quel âge, quelle pression, quel facteur de risque ou d'atteinte d'organe cible, quelles précautions? Et un élément central qui a attiré notre attention à ce moment-là, c'est quelle mesure de la pression artérielle? Alors, au Canada, on publie des guides de pratique clinique depuis les années 2000. On le fait annuellement jusqu'en 2018. Après ça, on le fait 2 ans plus tard, en 2020. Malheureusement, il y a une interruption actuellement dans ce processus. La prochaine révision est prévue en 2025, avec probablement une publication qui va avoir lieu en 2026. Alors, qu'est-ce que l'on propose comme démarche pour établir un plan individualisé de prise en charge? Bien, évidemment, c'est d'avoir une mesure optimale de la pression artérielle afin d'établir un diagnostic solide d'hypertension, une évaluation clinique des atteintes d'organisme et des causes secondaires par le fait même, en recherchant les autres facteurs de risque pour évaluer le risque cardiovasculaire et établir des seuils et des cibles de traitement et afin, par la suite, de planifier le suivi. Alors, qui est l'hypertendu depuis 2015 au Canada? D'abord, on favorise la mesure à l'aide d'appareils électroniques, oscillométriques, plutôt que d'appareils qui nécessitent une auscultation. Alors, si vous vous présentez en clinique avec une pression artérielle qui est au-delà de 180 sur 110, on va faire de vous un hypertendu. Si la pression artérielle n'est pas aussi élevée, on va se poser la question, êtes-vous diabétique ou non? Et si vous êtes diabétique, on va utiliser la mesure de la pression artérielle en clinique de façon traditionnelle, mais à l'aide d'un appareil oscillométrique. Et on va faire de vous un hypertendu probable si la moyenne des mesures effectuées à 3 visites différentes est supérieure ou égale à 130 sur 80. Tout en suggérant qu'il pourrait y avoir lieu de confirmer cette élévation de pression en dehors de la clinique. Pour les non-diabétiques, on suggère d'utiliser la mesure de la pression artérielle en clinique oscillométrique en série, comme dans l'étude SPRINT, ou la mesure traditionnelle avec un appareil oscillométrique si l'appareil en série n'est pas disponible, mais dans tous les cas, on recommande d'effectuer une confirmation hors de la clinique des élévations de pression artérielle, de préférence avec un monitoring ambulatoire de la pression artérielle, en retenant les cibles diurnes de 135 sur 85 et sur 24 heures de 130 sur 80, ou à défaut d'un MAPA, de faire des mesures de pression artérielle à domicile en série. Alors, 2 mesures le matin, 2 mesures le soir pendant 16 jours. On fait la moyenne en enlevant la première journée et le seuil est à 135 sur 85, comme le seuil de pression diurne au MAPA. On mentionne également donc que les méthodes privilégiées de diagnostic en clinique sont la mesure oscillométrique en série, mais vous voyez que c'est une opinion d'expert. Et hors clinique, que c'est le MAPA, avec un niveau de preuve plus élevé. Mais chez les diabétiques, on mentionne que les seuils de diagnostic selon la mesure en série, le MAPA et la mesure à domicile n'ont pas encore été établis et pourraient être inférieurs aux valeurs indiquées ci-haut. Le tableau qui est présenté ne présente pas la voie alternative. Il faut aller dans le texte de guide de pratique clinique canadien pour trouver la procédure à suivre
Lorsqu'on n'a pas la possibilité de faire une mesure de pression artérielle hors de la clinique pour le diagnostic. Alors, à ce moment-là, on peut utiliser soit la mesure oscillométrique en série ou la mesure traditionnelle à l'aide d'un appareil oscillométrique, mais il faut aller jusqu'à 3 à 5 visites avant de porter le diagnostic d'hypertension artérielle. Alors, je vous ai résumé ça dans ce tableau. Alors, qui présente donc les différentes modalités au Canada que l'on utilise pour porter le diagnostic d'hypertension artérielle. Donc, d'abord, il y a dans notre description, on ne retient pas, nous, les grades d'hypertension au Canada. On distingue, par contre, la pression normale haute entre 130-139 ou 85-89, l'hypertension artérielle, l'hypertension systolique isolée. Et si effectivement la porte d'entrée est la mesure de pression artérielle effectuée de façon traditionnelle, ben, on suggère de faire 3 mesures, de faire la moyenne des deuxième et troisième mesures. Et si c'est supérieur ou égal à 140 sur 90, ou encore si vous avez utilisé la mesure oscillométrique en série, mais que les mesures sont supérieures ou égales à 135 sur 85, on suggère d'aller vers la MAPPA pour confirmer le diagnostic qui peut être réalisé entre la première et la deuxième visite. Par contre, si vous faites des mesures de pression artérielle à domicile, on mentionne qu'avant de déclarer devant une pression qui serait inférieure à 135-85 que l'individu est atteint de phénomène du sarro blanc, on recommande encore une fois de faire une MAPPA ou de refaire une deuxième série de mesures de pression à domicile. Par contre, si vous n'avez pas accès aux mesures hors clinique, ben là, il faut additionner des visites pour parvenir au diagnostic. Évidemment, comme on le mentionnait plus tôt, si la pression à la première visite est très élevée, d'emblée, on va porter le diagnostic. Mais à la deuxième visite, on va réserver le diagnostic à des gens qui ont des pressions supérieures ou égales à 140 ou supérieures ou égales à 90, avec des atteintes d'organes cibles, un diabète ou un DFG abaissé en bas de 60. À la troisième visite, à ceux qui ont des pressions qui demeurent beaucoup plus élevées, en haut de 160 sur 100. Et à la quatrième ou cinquième visite, lorsque les pressions artérielles sont supérieures ou égales à 140 sur 90. Je vous ai mis à côté les équivalents en mesures oscillométriques en série. Par contre, curieusement, dans le guide de pratique, on ne retrouve pas cette démarche, on retrouve seulement celle des pressions traditionnelles en clinique. Et si vous êtes diabétique, bien on doit utiliser la mesure traditionnelle puisque aucun seuil de pression n'a été établi pour les mesures à l'aide de mesures oscillométriques en série, de MAPPA ou de mesures à domicile. Alors, pourquoi au Canada, on promeut beaucoup l'utilisation de l'appareil oscillométrique en série. Évidemment que, historiquement, il y a un appareil qui s'appelait le BP-True, qui était un appareil qui a été commercialisé au Canada, mais qui n'est plus disponible, qui a fait l'objet de beaucoup d'études de la part d'experts canadiens. Dans l'étude SPRINT, on a utilisé un appareil oscillométrique en série, et sont apparus sur le marché par la suite d'autres appareils oscillométriques en série. Et je vous ai mis un peu plus bas les adresses web qui permettent d'aller vérifier la validité des appareils que vous pouvez rencontrer. Alors, pourquoi la mesure oscillométrique en série? Il faut d'abord que tous les éléments liés à la préparation d'un patient pour une mesure auscultatoire soient respectés. Donc, bien assis, doigts pliés, bras dégagés, brassard de treille approprié, bien installé, ne pas bouger, ne pas parler. Et selon le type d'appareil, ben, le protocole est un peu différent. Historiquement, le BP-True, lui, ne demande pas de période de repos, mais générait 6 mesures aux 1 à 5 minutes. Tandis que les deux autres appareils les plus fréquemment utilisés, dont celui utilisé dans Sprint, le premier requérait 5 minutes de repos avec 3 mesures à toutes les minutes et le deuxième, 1 minute de repos avec 3 mesures aux minutes. Et lorsqu'on regarde la mesure effectuée manuellement en clinique,
on se rend compte que par rapport à des mesures effectuées dans un contexte de recherche, les valeurs sont généralement de 9 sur 6 plus élevées. Et lorsqu'on regarde la mesure oscillométrique en série, ben, dans certains cas, elle s'approche ou est presque identique à la mesure effectuée en recherche. Dans d'autres cas, elle est un peu plus bas, mais dans tous les cas, elle est équivalente à la mesure que l'on obtient lors d'un monitoring ambulatoire de pression artérielle pendant la période de jour. Alors, c'est pourquoi les seuils que l'on a identifiés de 135 sur 85 sont disponibles à la fois en mode oscillométrique en série ou en monitoring ambulatoire de jour. Ils sont équivalents. Faut-il que la personne soit laissée seule ou non? Il y a une certaine controverse. Il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées. Il y a une méta-analyse de 12 études sur 1762 individus qui a révélé que la pression artérielle systolique était d'environ 4 mm plus basse et la diastole 2 mm plus basse chez les individus qui étaient laissés seuls par rapport aux individus qui étaient accompagnés pendant la mesure oscillométrique en série. Par contre, il y avait une très grande hétérogénéité des études. Puis évidemment que de laisser le patient seul, bien, ça aide et de façon très, c'est très efficace pour éviter qu'il n'y ait pas d'interaction puis qu'il n'y ait pas de stimulation. On suggère de faire entre la première et la deuxième visite un bilan de l'hypertendu, donc un bilan de base là, qui contient les prises de sang suivantes, de même qu'un électrocardiogramme. Une investigation complémentaire selon le contexte, et si vous êtes dans la catégorie de femmes en âge de procréer, bon, on suggère d'avoir un test de grossesse. Et pour ce qui est d'une hypertension, quels sont les indices d'une hypertension suspecte ou secondaire ou plus susceptible de complications? Bien, il y a un certain nombre de caractéristiques là, qui devraient attirer votre attention, particulièrement l'âge d'apparition en bas de 30 ans ou supérieur à 55-60 ans. Une apparition rapide chez un individu qui était normotendu jusqu'à tout récemment ou une progression accélérée. L'absence d'antécédents familiaux, bien que maintenant les familles soient beaucoup plus petites, des maladies cardiovasculaires précoces, des atteintes d'organisme, une réponse sous-optimale au traitement ou encore l'accélération d'une hypertension qui était auparavant bien maîtrisée et un certain nombre de symptômes ou de signes là, qui peuvent être évocateurs d'une cause secondaire. Les seuils et les cibles de traitement qui sont proposés par Hypertension Canada depuis 2020 reposent sur l'évaluation du risque de maladie cardiovasculaire. Donc, on va catégoriser des gens comme étant à risque élevé, incluant les diabétiques, à risque modéré et à risque faible. Et on entend par risque élevé les critères d'inclusion de l'étude SPRINT, à savoir une maladie cardiovasculaire clinique ou infraclinique démontrée, une maladie rénale chronique où le DFG est entre 20 et 59 ml par minute et la proténurie est inférieure à 1 g par jour, un risque de maladie cardiovasculaire sur 10 ans supérieur ou égal à 15 % ou un âge en haut de 75 ans. Et on retient que cette approche devrait s'appliquer à des gens qui sont âgés de plus de 50 ans, qui ont une pression artérielle systolique supérieure à 130, chez qui on envisage d'atteindre une pression artérielle inférieure ou égale à 120. Mais en faisant reposer le traitement intensif sur la mesure de pression artérielle en clinique oscillométrique en série, telle que réalisée dans l'essai SPRINT. Puis, il était recommandé de bien choisir les patients qui sont soumis au traitement intensif. Et on souligne que dans les critères d'exclusion aussi de SPRINT, ben, on n'avait pas inclus les insuffisants cardiaques, les gens qui nécessitaient des bêta-bloqueurs, les personnes âgées fragiles placées en institution. Comme je le mentionnais plus tôt, les diabétiques n'avaient pas été retenus parce qu'il y avait une étude qui était en cours, l'étude ACCORD. Même chose pour les accidents vasculaires cérébraux pour l'étude SPSS. Et on ne retenait pas les gens qui avaient des débits de filtration glomérulaire qui étaient inférieurs à 20 millilitres par minute.
On n'offrait pas non plus le traitement intensif à des gens qui n'avaient pas la volonté ou la capacité de respecter un traitement en prenant plusieurs médicaments. Donc, il y avait une question d'adhérence. Et on excluait les gens qui avaient une pression artérielle systolique en position debout qui était inférieure à 110 mm de mercure ou dans les cas où la pression était difficile à mesurer ou en présence de causes secondaires. Pour ce qui est des seuils et des cibles au niveau canadien, ben, on définit des valeurs seuils qui sont donc basées à la fois sur des mesures en clinique et de façon traditionnelle à l'aide d'un appareil oscillométrique, mais aussi basées sur des appareils des mesures oscillométriques en série. Alors, si vous avez un patient à risque élevé, la barre est à 130, mais avec un appareil oscillométrique en série. Si vous avez des diabétiques, bien, la barre est à 130 sur 80, mais avec des mesures traditionnelles en clinique. Les individus à risque moyen, vous pouvez utiliser une modalité ou l'autre, mais chez des patients à faible risque, donc plus jeunes, sans atteinte d'organes cibles, sans facteur de risque, on dit qu'on devrait les traiter en haut de 160 sur 100 de façon absolue, mais moi j'aime mieux présenter que c'est dans le fond entre 140 et 160 et 90-100 qu'on peut avoir des personnes qui exceptionnellement pourraient au moins de façon temporaire ne pas recevoir un traitement pharmacologique alors que des mesures de changement des habitudes de vie sont proposées. Pour ce qui est des valeurs cibles, bien, on utilise encore une fois les deux modalités de mesure de pression. Alors, dans l'étude, les pressions à risque élevé sont atteintes avec la mesure. Les patients à risque élevé doivent bénéficier d'une mesure oscillométrique en série pour atteindre une cible qui est aux alentours de 120. On se rappelle que dans l'étude SPRINT, la tension artérielle systolique atteinte était de 122. Chez les diabétiques, on utilise plutôt la mesure en clinique, non oscillométrique en série, et on vise en bas de 130 sur 80. Et tous les autres patients, bien, on vise moins de 140, moins de 90, de façon avec la mesure traditionnelle, et moins de 135, moins de 85 avec la mesure oscillométrique en série. On mentionne que chez les patients qui ont une cardiopathie ischémique avérée ou qui présentent une hypertrophie ventriculaire gauche, il faudrait faire preuve de prudence lorsqu'on abaisse la pression systolique et que la pression artérielle diastolique s'abaisse de façon concomitante en deçà de 60 mm de mercure. De sorte que si on compare les recommandations d'Hypertension Canada avec celles de l'American College, American Heart Association, on voit que la cible est différente. Donc, au Canada, on dit 120 pour les gens à risque élevé. Aux États-Unis, on dit 130, mais au Canada, on suggère la mesure utilisée dans l'étude, qui était la mesure oscillométrique en série, alors qu'aux États-Unis, on ne le précise pas. On retient l'évaluation du risque à 10 ans de 15%, qui était celui utilisé dans l'étude SPRINT à l'aide du calculateur de Framingham, alors qu'aux États-Unis, on utilise un seuil plutôt à 10% avec un autre calculateur. Ce qui a fait dire à un expert canadien que les recommandations canadiennes étaient beaucoup plus proches des critères utilisés dans l'étude de SPRINT que celles des Américains. Pour ce qui est du suivi, bien, si vous n'avez pas d'hypertension ou de lésions d'organes cibles, on suggère de mesurer la pression artérielle de façon annuelle. Si vous avez une pression normale haute, on surveille également des mesures annuelles, mais on suggère qu'on pourrait rechercher une hypertension artérielle masquée, particulièrement chez des gens qui sont plus âgés, qui sont de sexe masculin, qui sont des fumeurs, qui sont des consommateurs d'alcool, qui ont davantage de facteurs de risque. Chez les patients hypertendus qui modifient leurs habitudes de vie, on peut les revoir après 3 à 6 mois s'ils sont plutôt près de la limite, mais lorsque la pression est plus élevée, on suggère plutôt de les revoir aux 1 à 2 mois.
Et chez les gens chez qui on a prescrit un traitement antihypertenseur, on suggère de les revoir à tous les 1 à 2 mois jusqu'à les mesures atteignent la cible lors de 2 visites consécutives, puis par la suite aux 3 à 6 mois, sachant qu'évidemment, des intervalles plus courts pourraient être justifiés en présence de symptômes d'hypertension beaucoup plus grave ou de lésions d'organes cibles ou d'intolérance médicamenteuse. Ce qui nous amène au dernier guide de pratique clinique qui a été publié en décembre dernier par la Société européenne d'hypertension artérielle. Alors, ce qui est rassurant, c'est qu'ils n'ont pas changé la définition de l'hypertension artérielle. Alors, qui est hypertendu depuis 2018 en Europe? Ce sont les gens qui ont des pressions artérielles supérieures ou égales à 140 sur 90. Alors, qui a une pression artérielle normale haute? Ceux qui sont entre 130, 139, 85, 89. Donc, on a retenu les mêmes chiffres qu'on en utilise au Canada. Et on propose également de mêmes équivalences entre les mesures en clinique et hors clinique, soit par mode ambulatoire ou par mesure de mode de pression artérielle à domicile. Donc, il y a une parfaite cohérence entre les recommandations européennes et canadiennes au niveau du diagnostic. La seule donnée que les Européens rajoutent, eux, c'est un seuil de pression artérielle pendant la nuit que l'on ne retient pas au Canada. Les Européens proposent également d'utiliser un appareil automatique, électronique, oscillométrique, installé au niveau du membre supérieur et ne recommandent pas ce que l'on appelle les appareils maintenant sans brassard qui sont en cours de développement et qui ne sont pas validés. Donc, tout ce qui se porte au poignet, qui se mesure à l'extrémité du doigt ou à l'aide même d'une bague, ce n'est pas recommandé à ce stade-ci. Et les Européens ne sont pas friands de la mesure de la pression artérielle clinique oscillométrique en série, contrairement aux Canadiens, et en l'absence de personnel médical. Et ils le justifient en disant qu'il existe peu de preuves sur la capacité de la mesure oscillométrique en série à prédire avec sensibilité les événements cardiovasculaires, que les preuves de la capacité de la mesure oscillométrique en série à prédire la réduction de ces événements par le traitement sont limitées à un seul essai, alors qu'il y a un volume important et cohérent de preuves qui sont disponibles, qui reposent sur la mesure plus traditionnelle en clinique, que la mesure oscillométrique en série sans surveillance, ça nécessite des installations appropriées qui ne sont pas toujours disponibles, qui peuvent être coûteuses, et que malheureusement, la variabilité des différences de mesure entre la mesure oscillométrique en série et la mesure en clinique, qui sont rapportées dans les différentes études, ne permettent pas de développer un facteur de correction qui pourrait être apporté. De sorte que les Européens retiennent donc, pour établir le diagnostic de l'hypertension artérielle, les mesures effectuées en clinique, mais évidemment effectuées de façon très rigoureuse, parce qu'elles reposent sur une méthode qui a fait ses preuves pour identifier les risques reliés à l'hypertension, les bénéfices du traitement et identifier des seuils et des cibles de traitement. Quant aux mesures hors clinique, il mentionne que c'est une source additionnelle d'information, mais il ne demande pas, contrairement aux Canadiens, qu'il y ait une confirmation des valeurs obtenues en clinique par une mesure en dehors de la clinique. Et ces mesures effectuées en clinique, par contre, doivent être très bien standardisées selon un protocole rigoureux avec 3 mesures où on prend la moyenne des 2 dernières. On peut diagnostiquer l'hypertension artérielle avec 2 visites dans le guide de pratique européen, ce qui est beaucoup plus rapide que ce que l'on fait au niveau canadien quand on ne fait pas appel aux mesures hors clinique. Et même plus vite, si la pression est aussi élevée que dans ce que l'on propose au Canada, là, de 180 sur 110. Puis on vient suggérer que la pression artérielle en position debout devrait toujours être mesurée à la première visite
Et régulièrement, à toutes les visites, chez des patients qui sont plus vieux, qui prennent des antihypertenseurs, qui sont diabétiques, donc plus susceptibles d'avoir une neuropathie autonome, ou qui ont des facteurs spécifiques qui peuvent favoriser l'hypotension orthostatique. La mesure de pression hors de la clinique, donc la mesure à domicile, elle est utile pour identifier le syndrome de la blouse blanche et l'hypertension masquée, peut contribuer au suivi à long terme en favorisant un meilleur contrôle parce qu'on a parfois montré dans des études que l'adhérence était meilleure. Le MAPA est recommandé également pour éliminer le phénomène du sarrau blanc ou l'hypertension masquée, tout en soulignant qu'il n'y a pas une très bonne reproductibilité de ces statuts-là. Il faut souvent avoir plusieurs mesures. Mais là où le MAPA est vraiment essentiel, c'est pour vraiment diagnostiquer l'hypertension résistante véritable. Ce qui est nouveau dans le consensus européen, c'est de faire des recommandations de seuil et de cible selon l'âge. Donc, pour les 18 à 79 ans, on va débuter un traitement pharmacologique. Si les pressions sont supérieures ou égales à 140 sur 90, les plus de 80 ans en haut de 160, mais en considérant ceux qui sont entre 140 et 160, chez ceux qui ont une maladie cardiovasculaire avérée supérieure ou égale à 130 sur 80, et on individualise les valeurs de départ chez des individus fragiles. En termes de cible de traitement, bon, on répartit encore selon les catégories d'âge. Les 18 à 64 ans, on vise en bas de 130 sur 80. Les 65 à 79 ans, en bas de 140 sur 80, mais on pourrait aller jusqu'à 130 si c'est bien toléré. Chez les plus de 80 ans, on vise 140-150. Encore une fois, on peut viser en bas de 130 à 139 si c'est bien toléré chez des gens qui peut-être biologiquement sont plus jeunes. Mais on demande d'être très prudent à l'abaissement des cibles systoliques lorsque la diastolique est inférieure à 70 et on ne favorise pas l'atteinte de cibles inférieures à 120 sur 70 à la fois au niveau de la systole et de la diastole. Et on propose également que chez les personnes très âgées qui ont des pressions artérielles basses, de l'hypotension orthostatique qui sont davantage fragiles, qu'il pourrait y avoir une déprescription médicamenteuse qui pourrait se faire. Je vais terminer avec cette question. Pourquoi éviter une cible de pression artérielle diastolique inférieure à 60 chez nos patients ayant une coronaropathie avérée ou une HVG, ce qui est une recommandation de grade D au Canada? Pourquoi éviter d'abaisser en bas de 120 sur 70 à la fois la systole et la diastole, ce qui est un niveau d'évidence C dans le guide de pratique européen? Alors qu'il y a une méta-analyse en 2021 qui a rassemblé 340 000 personnes dans 40 études cliniques et a regardé chez des individus avec et sans maladie cardiovasculaire quel était le bénéfice d'abaisser la tension artérielle entre en bas de 130-139, 120-129 et même en bas de 120. Et pour 5 mm de réduction de systole, il y avait une diminution des événements de 10 % sans tenir compte de la présence ou non de maladies cardiovasculaires et sans tenir compte non plus du degré d'atteinte de la systole. Alors, pourquoi on est toujours prudent? C'est qu'il y a d'autres données qui viennent de certaines études cliniques. Vous avez ici un exemple, qui est l'étude OnTarget, où on a regardé dans le sous-groupe des gens qui avaient atteint une pression systolique entre 120 et 140, quel était l'impact d'abaisser la pression artérielle diastolique. Et on a démontré qu'il y avait une réaugmentation des événements cardiovasculaires lorsque la pression diastolique descendait au-dessous de 70. Alors, est-ce que c'était parce que les organes étaient hypoperfusés? Est-ce qu'il y avait un surdosage de médicaments? Est-ce qu'au contraire, c'était une causalité inverse parce que les gens étaient plus malades?
C'est pas clair. Mais encore en 2021, un autre groupe a regardé dans l'étude SPRINT et dans l'étude ACCOR, où il y avait des diabétiques de type 2, les individus qui avaient à la fois une pression systolique atteinte en bas de 130, quel était l'impact de diminuer la pression artérielle diastolique. Et encore une fois, on voyait une augmentation des événements cardiovasculaires, à la fois coronariens et vasculaires cérébraux, de même que de la mortalité. De sorte que les Européens nous disent, ben voici nos cibles. Alors, les principaux bénéfices de la réduction de la pression, c'est obtenu dans l'intervalle de 130-139, bien que des bénéfices supplémentaires, peut-être plus évidents en termes relatifs qu'absolus, peuvent être obtenus entre 120-129, 70-79. Mais si vous ciblez des valeurs de pression plus basses, ben attendez-vous à ce que le risque de réaction indésirable puisse augmenter, qui pourrait conduire à l'arrêt du traitement, puis par conséquent, un résultat encore plus indésirable. Je vais passer ces deux diapositives-là pour retenir de tout ça que, afin d'atteindre des objectifs intensifs de pression, ben, il faut, l'étude SPRINT a démontré clairement que l'accent doit être mis sur une mesure appropriée, essayer de contrecarrer l'inertie du clinicien et améliorer l'observance du patient. Alors, qui est l'hypertendu en 2024? Ben, il faut répondre d'abord à un certain nombre de questions. Alors, quelle est la mesure? Quel est son âge, ses antécédents, ses facteurs de risque, ses atteintes d'organes cibles, ses conditions particulières? Quelles précautions il faut prendre? Quelles sont les préférences du patient lui-même face à un traitement qui pourrait être plus intensif? Quel suivi on doit donner et quelle adhérence au traitement qu'il faut soutenir? Quant au guide de pratique clinique, ben, évidemment que les données peuvent être les mêmes, mais le regard que on pose sur les données peut, lui, ne pas toujours être le même. En finissant, il existe des ressources au Canada sur le site de la Société de l'Hypertension Canada. Vous pouvez retrouver l'intégrale des recommandations, de même qu'un résumé là, qui est offert dans une brochure. Et sur le site de la Société québécoise d'hypertension artérielle, vous avez également des ressources disponibles là, en termes de formation, de documentation, particulièrement sur la mesure de la pression artérielle, que ce soit en mode ambulatoire ou en mode à domicile. Alors, je terminerai sur ces derniers mots. Merci beaucoup, Dr. Milo, pour cette présentation qui fut, ma foi, faire le tour de diagnostic de l'hypertension artérielle. On aurait un petit 8 minutes environ pour prendre des questions, si cela vous va. Si je peux me permettre, c'est un sujet qui n'a pas été abordé, mais pour lequel j'ai eu des questions par rapport à ça, mais qui fait référence en fait à la mesure de la pression artérielle. Par rapport au MAPA, souvent, qu'est-ce qu'on regarde? C'est la mesure directe, je veux dire, soit sur 12 heures ou sur 24 heures. Mais ça serait quoi l'utilité clinique, en fait, des mesures d'index AASI, donc le Ambulatory Arterial Stiffness, ou les pics hypertensifs matinaux, là, donc le Morning Surge Hypertension? Bon, la question fait référence à deux choses différentes. Le morning surge, ça fait référence à la variabilité de la pression artérielle. Donc, au fait que la pression artérielle, la nuit, est plus basse que le jour. Et qu'il y a plusieurs études qui ont démontré qu'il pouvait y avoir même une meilleure corrélation entre les pressions artérielles de nuit et les événements cardiovasculaires que les pressions artérielles de jour. On retrouve ce genre d'études-là dans des études observationnelles. Par contre, quand on a essayé d'en faire des cibles de traitement, on n'a pas réussi à démontrer nécessairement un bénéfice. Et il y a très peu d'études qui ont utilisé le MAPA comme outil pour établir des cibles de traitement. La poussée matinale de la pression artérielle, ben, c'est le phénomène qui survient en fin de nuit.
lorsque la pression artérielle va s'élever de façon rapide, à partir d'une pression artérielle plus basse qui a été obtenue pendant la nuit. Et on sait qu'il y a une corrélation qui existe entre ce phénomène-là et les événements cardiovasculaires. Mais encore une fois, on n'a pas démontré de façon claire qu'en le ciblant, on allait prévenir, on allait réduire les événements cardiovasculaires qui étaient identifiés par cette manifestation. Pour ce qui est de l'indice d'augmentation, ben ça, c'est d'abord pas tous les appareils de MAPA qui permettent de le mesurer. Alors, les appareils qui sont utilisés les plus couramment ne présentent pas cette mesure-là. Il faut avoir des appareils qui sont beaucoup plus dispendieux pour aller, qui vont analyser la configuration de l'onde de pouls mesurée et déterminer où est-ce qu'il y a une augmentation au niveau particulièrement de la systole et de la pression pulsée, qui encore une fois corrèle avec les événements cardiovasculaires. Donc oui, ces données-là existent, mais actuellement, on ne les utilise pas. En tout cas, on n'a pas d'évidence pour les recommander que ça fait une différence au niveau du traitement. Excellent, merci beaucoup pour la réponse. Puis j'ai eu quelques questions en lien avec quoi faire chez les patients qui ont des MAPA de jour supérieurs à 135 sur 85, puis la mesure sur 24 heures qui est inférieure à 130 sur 80. Donc ça répond un peu aussi en partie à ces questions-là. Il y a quelques personnes qui probablement font face à des situations particulières ou à des populations particulières. Puis j'ai reçu comme question la mesure de la tension artérielle au niveau de l'avant-bras par rapport à la mesure en clinique externe. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être envisagé pour un diagnostic ou est-ce que c'est quelque chose pour lequel, dans certaines situations, ça peut être bénéfique de le faire? La mesure que l'on privilégie est toujours celle au niveau du bras, mais dans certaines circonstances, cette mesure-là peut être difficile à obtenir. Et l'exemple le plus flagrant, c'est la personne qui a une obésité morbide, chez qui le brassard qu'on devrait utiliser est très long, mais l'espace qui existe entre la région axillaire, l'aisselle et la région antécubitale est trop courte. Donc, on n'arrive carrément pas à placer le brassard. Ou encore, la forme du bras est conique et on se retrouve avec un brassard habituel qui n'arrive pas à s'ajuster de façon adéquate, bien qu'il existe des brassards qui ont une forme conique, mais qu'on ne voit à peu près pas utiliser. Alors, dans ces circonstances-là, oui, on suggère que la pression pourrait être mesurée au niveau de l'avant-bras. Donc, dans une mais on a très peu de données pour établir des comparaisons. Il y a plusieurs études qui ont été réalisées à ce propos, en particulier à l'UECPQ. Et une doctorante qui en a fait le sujet de sa thèse il y a quelques années. Et lorsqu'elle faisait la revue de littérature, ce qu'elle présentait, c'est qu'il n'y avait pas de facteur de correction là, qui pouvait être identifié qui permettrait d'adapter la mesure faite à l'avant-bras à celle faite au bras. Je vous dirais, quand vous n'avez pas le choix, effectivement, c'est une mesure que l'on emploie, mais on le fait toujours à contre-cœur. Parfait. Puis, j'aurais deux dernières questions rapides pour vous. Avec des réponses, comment dire, succinctes. La dernière sera peut-être philosophique, là, mais à suivre. Pour une raison X ou Y, en région ou autre, pas accès à la mesure oscillométrique, le MPAC-OS, là, en quelque sorte, là, pour utiliser les mêmes acronymes, est-ce qu'on peut utiliser les recommandations SPRINT ou voir sprinter les patients à haut risque? Puis est-ce qu'on devrait augmenter, en fait, les cibles de tension artérielle dans ces situations-là? Là, pour parce que je sais que ce que je veux dire, c'est pas tout le monde qui a accès à cet appareil-là. Là. Donc, votre opinion? Ben, mon opinion, en fait, est celle des experts américains qui ont mis la cible à moins de 130 parce qu'ils savaient pertinemment que si la pression artérielle n'était pas prise de la même façon que dans l'étude,
on encourait une problématique de baisser les pressions artérielles de façon beaucoup plus basse. Donc, oui, à ce moment-là, moi, je passerais la barre à 130. Et tantôt, ben, j'ai sauté une diapositive, hein, où on a comparé les mesures qui étaient faites en clinique en parallèle de celles qui étaient faites dans l'étude SPRINT. Donc, on est allé chercher dans un dossier électronique des gens qui allaient voir leur médecin au même moment qu'ils étaient dans l'étude SPRINT. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait un écart qui est indiqué ici par les flèches en rouge, là, qui était vraiment pas négligeable. Donc, pour des tensions artérielles à 135 et à 122, dans le cadre du protocole, les tensions artérielles étaient plutôt de 140 et 127, 128 lorsqu'elles étaient prises dans la pratique courante. Alors, donc, même dans l'étude SPRINT, on voit que les deux modalités de mesure de pression n'ont pas donné le même résultat. Parfait. Merci. Puis, je vais avec ma dernière question qui est souvent une question, en fait, pour laquelle les différents professionnels doivent faire face, puis qui m'est revenue à quelques reprises. Croyez-vous que l'ajustement de l'hypertension lorsque les patients sont hospitalisés est toujours un moment optimal de diagnostic, oui, mais d'ajustement de traitement intensif pour atteindre les cibles des différentes recommandations que vous nous avez parlé? Non. Vous voulez une réponse très brève? Non. Oui. Parfait. C'était tout à fait honnête de votre part. La raison pour laquelle je le dis, ce n'est pas juste intuitif. C'est qu'au cours des 5 dernières années, à peu près à tous les 6 mois, on a vu une étude publiée qui présentait des effets néfastes d'une escalade thérapeutique en cours d'hospitalisation. Parfait. Puis la dernière question, peut-être philosophique, s'adresserait à est-ce que vous croyez qu'un jour il y aura un programme national de dépistage de l'hypertension artérielle pour en quelque sorte aussi réduire les maladies cardiovasculaires ou du moins les facteurs de risque, là, sachant que je veux dire le diabète, la dyslipidémie, toutes les maladies métaboliques là, maintenant qui sont à l'avant-plan? Je vous dirais qu'un tel programme serait souhaitable, puis probablement qu'en termes de diminution de l'impact au niveau populationnel des maladies cardiovasculaires, ce serait aussi intéressant que ce que l'on peut constater avec le dépistage des différents cancers pour lesquels on propose actuellement des mesures de dépistage. Malheureusement, je ne vois pas encore le jour où ça se ferait. Et je terminerai en disant que, à la fois aux États-Unis et au Canada depuis quelques années, malheureusement, au niveau de l'atteinte des cibles de pression artérielle, on constate que nous sommes en régression. Particulièrement au Canada, si on regarde les femmes âgées, notre taux de maîtrise de l'hypertension artérielle qui approchait les 66 % il y a quelques années, maintenant est en train de tomber en dessous de la barre des 60 %. Donc oui, le dépistage et par la suite, évidemment, le suivi aura un impact très important. Excellent. Bien, merci beaucoup, Dr. Milo. Encore, je vais fermer la période de questions ainsi. Il y en avait quelques autres, là, si jamais on regardera avec la SSVQ pour vous les faire parvenir, si jamais vous voulez répondre aux questions. Sans plus tarder, je vais repasser la parole à M. Patrice pour conclure la conférence de ce midi. Merci encore.